Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir en fait comment ça se passe pour trouver des clients et faire une vente. Eh bien, ça commence tout simplement par du marketing. C'est quoi du marketing? C'est le fait de trouver des clients, le fait de se promouvoir pour trouver un client. Et marketing, c'est pas sell, c'est pas les ventes. C'est différent. Et le marketing, ça peut être de différentes manières. Vous avez les publicités, les réseaux sociaux, vous savez tout ça. Et j'ai parlé également des cold calls, donc les appels téléphoniques à froid, voilà. J'ai parlé de ça. Et en fait, c'est également une manière de faire du marketing parce que vous essayez de trouver un client, de générer un client. Et donc, c'est une façon de faire du marketing à un coût vraiment très bas. Donc, la première étape, c'est d'avoir un marketing. De vous montrer, de montrer aux gens qu'est-ce que vous proposez pour générer un client. Et donc la deuxième étape, c'est d'obtenir ce client. Une fois que vous avez obtenu ce client, vous avez donc ce client que vous pouvez vendre et que vous pouvez continuer à aider et à rendre service. Donc la deuxième étape, c'est obtenir le client. Parce que si vous faites du marketing et que vous obtenez pas de client, ça arrive quelquefois, vous faites des pubs et bah vous n'avez pas de client. Le truc, c'est que vous devez obtenir un client si vous souhaitez faire, donc à la fin, je vais vous parler, donc la vente. En numéro 3, la vente. Si vous voulez faire une vente, il faut un client, il faut une personne qui vous échange son argent contre le service. Donc, marketing, client, vente. Et là, il faut savoir comment faire pour vendre, comment faire pour eh bien, trouver le besoin, présenter, etc., etc. Il faut comprendre les étapes, comme ça, vous comprendrez eh bien, le cycle. Et une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous concluez, pardon, la vente et vous n'avez plus qu'à répéter. Marketing, trouver un client, vendre. Répétez. Marketing, trouver un client, vendre. En fait, vous devez, eh bien, toujours trouver des nouveaux clients ou continuer à rendre service et à vendre à vos clients actuels pour continuer à faire de l'argent et continuer à avoir un business profitable.